Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les ministres d'État et ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les autorités académiques, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers parents d'élèves, chers partenaires, chers lauréates et lauréats, chers élèves, honorables invités, j'aimerais, à l'entame de mon propos, témoigner ma profonde gratitude à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale qui a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne pour prononcer ce discours d'usage de l'édition 2023 du concours général, dont le thème est « Opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais ». Je considère ce choix comme une marque de reconnaissance qui va à l'endroit de toutes les enseignantes et de tous les enseignants de mon pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, le système éducatif sénégalais, sous votre magistère, a fait beaucoup de progrès en dépit du choc qu'il a subi avec la pandémie à COVID-19. Toutes les réalisations ont sensiblement amélioré l'environnement scolaire, le bien-être des apprenants et leur performance. Dans le domaine du numérique, force est de reconnaître que des sauts qualitatifs ont été opérés grâce à plusieurs initiatives développées, notamment au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit entre autres de la refonte du système d'information, du développement des contenus numériques innovants et du téléenseignement, de l'accroissement des compétences chez les enseignants et chez les élèves, du renforcement de la connectivité et de l'acquisition de matériel informatique. Ces initiatives traduisent notre ambition d'évoluer avec aisance dans un 21e siècle, ère du numérique et de l'intelligence artificielle. D'où l'intérêt du thème retenu qui invite à réfléchir sur les opportunités que le développement technoscientifique nous offre, notamment l'intelligence artificielle, sans oublier ses défis. Se posent alors à nous des questions majeures. Comment ces apports pourraient-ils être captés par notre système éducatif? L'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait-elle aider à relever certains des défis qui se présentent au système éducatif? Chers invités, Mesdames et Messieurs, les réponses à ce questionnement formeront les éclairages que nous voudrions apporter à ce thème si actuel, opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais. Pour rappel, l'agenda 2030 des Nations Unies, à travers l'ODD 4, un des objectifs les plus importants dans ce sens, cherche à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Cet objectif renseigne sur la disponibilité de la communauté internationale à œuvrer pour une éducation, une scolarisation universelle et de qualité pour
tous en s'appuyant sur les possibilités qu'offre actuellement l'intelligence artificielle dans la société du savoir. Il convient d'emblée de dire que l'intelligence artificielle en éducation, ses apports sont au cœur de toutes les préoccupations et dans tous les systèmes éducatifs. Dans cette perspective, le ministère de l'Éducation nationale, conformément aux orientations de l'alerte de politique générale sur le secteur de l'éducation et de la formation de novembre 2018, s'inscrit parfaitement dans ce sillage à travers des initiatives comme « Apprendre à la maison », développer et perfectionner en guise de réponse à la pandémie à COVID-19. L'émission de la dite lettre s'inspire des conclusions des Assises nationales de l'éducation et de la formation, ANEF. Il faut le rappeler, les conclusions des Assises nationales de l'éducation et de la formation, eh bien, ont fait l'objet d'un conseil présidentiel, à l'issue duquel 11 décisions ont été prises, dont la première qui instruit de réorienter le système éducatif vers les mathématiques, les sciences, les technologies, le numérique et l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous conviendrez avec moi que l'expression « intelligence artificielle » commande forcément une analyse conceptuelle pour élucider son sens. De façon générale, l'intelligence est la faculté commune aux femmes et aux hommes à se servir de leur esprit pour apprendre, comprendre, retenir, résoudre des problèmes et prendre des décisions rationnelles et autonomes. Ainsi, le cerveau humain, siège de l'intelligence, est capable d'enregistrer et de traiter un ensemble de données, mais aussi de les réutiliser selon les besoins. Par le biais de l'intelligence, l'homme a la capacité de s'adapter à plusieurs situations, d'interagir avec son environnement et ses semblables, et de développer une conscience de soi. L'intelligence se révèle à la fois bénéfique pour l'individu et essentielle pour le bien-être de la communauté à laquelle il appartient. Cependant, face à la complexité croissante de nos vies, à la multitude des problèmes auxquels nous sommes confrontés, l'intelligence seule ne suffit pas. C'est pourquoi l'idée de recourir à l'outil informatique est devenue une solution ingénieuse. Tellement ingénieuse qu'on parle d'intelligence artificielle maintenant. La machine sous ce rapport augmente la puissance de l'homme du moment où il en est le concepteur et l'artisan. Artifex, artificis, c'est tout le sens latin que nous devrons retenir de ce terme qui conçoit et qui contrôle, et heureusement qu'il contrôle. Ainsi, l'homme fait faire à cette machine
Le général Mansour Seck, pour qui je fais un salut militaire. Général qui a cette faveur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Chaque fois que je le vois, je suis au garde à vous moi-même. Mais c'est parce que je le connais pour son courage, son abnégation et son engagement pour le Sénégal. J'ai failli d'ailleurs introduire l'éducation militaire à l'école. Mais nous allons voir les formes les plus adéquates pour que l'enseignement civique soit véritablement pratiqué dans nos écoles, puisque c'est comme ça seulement que nous pourrons préparer nos meilleurs citoyens de demain, bien sûr, avec la connaissance qui va. Revenant au parrain du jour, je disais, après de brillantes études au Sénégal, le doyen Kabou est admis à la classe préparatoire au prestigieux lycée Louis-le-Grand, puis au concours d'entrée à l'École nationale de la France d'Outre-mer, d'où il sortira administrateur civil. Patriote dans l'âme, il démissionnera de la fonction publique française pour être au service du Sénégal à l'indépendance. Il fut plusieurs fois ministre, entre autres fonctions. Sa brillante carrière est un modèle de compétence, d'intégrité morale, d'esprit républicain, tout ce qu'on veut détruire dans ce pays, l'esprit républicain, et de discernement sans faille. Ces qualités qui distinguent les grands serviteurs de l'État et de la nation lui valent être membre du Conseil de l'Ordre national du Lion après plusieurs décorations. Le doyen Daniel Kabou est un modèle de grâce, d'humilité et de générosité. La lettre qu'il m'adressa pour accepter d'être le parrain de cette édition emporte témoignage, puisqu'il y cite des compatriotes de sa génération et ses aînés
qui l'ont enseigné pour me dire qu'il y a d'autres Sénégalais aussi valeureux qui auraient pu mériter cet honneur. Merci, cher doyen. Je vous rends un vibrant hommage avec tous nos voeux de bonne santé et de bien-être. Ainsi, cher lauréat, chère lauréate, l'œuvre de votre illustre parrain, brillante telle un rayon de soleil, vous est offerte en viatique afin qu'elle vous inspire pour que vous restiez parmi les meilleurs dans les études et la vie de tous les jours. Souvenez-vous toujours de votre parrain pour rester ambitieux et compétent, mais humble, ce qui est le défaut majeur des intellectuels, l'humilité. À cause de cette maladie qu'on appelle l'égocentrisme. Soyez humble, cultivez le savoir-faire sans jamais oublier le savoir-être, c'est-à-dire la tenue et la retenue. C'est ce qui Dame, bonne chance à toutes et à tous sur le chemin qui vous reste à parcourir. Et je voudrais vous donner ce conseil sur la suite de votre parcours. Nous avons essayé d'amener au Sénégal ce qu'il y a de meilleur. Après les lycées d'excellence, nous avons lancé depuis l'année dernière les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est parce que nous avons importé des professeurs qualifiés. Nous les avons mis ensemble avec des professeurs sénégalais. Et je viens de signer d'ailleurs un contrat d'assistance où j'ai recruté les anciens proviseurs du lycée Louis-le-Grand et d'autres grands professeurs de lycée préparatoire pour accompagner ces classes préparatoires, mais aussi accompagner les classes de première et de terminale S pour en faire des S+. Notre élite s'envole pour des destinations moins prestigieuses parce que simplement il s'agit d'aller à l'étranger. Et parfois, j'ai du regret de constater certains brillants lauréats quitter pour aller faire des études beaucoup moins prestigieuses que ces préparations qu'ils pourraient faire ici et après faire les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs et aux grandes écoles de façon générale post-préparation. Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Madame le ministre de la Formation professionnelle devront y veiller, ainsi que les équipes, les corps enseignants, l'ensemble des acteurs et partenaires. Je voudrais, à travers votre ministre, le docteur Cheikh Oumar Anne, que je félicite. Il a voulu faire de cette édition une édition entièrement financée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc je voudrais vous remercier, vous féliciter, ainsi que tous ceux-là qui ont participé à la réussite de cette belle fête de l'excellence. À travers vous, je félicite votre collègue de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, puisque c'est le tout qui fait le système éducatif sénégalais. En honorant nos lauréats, héros du jour, nous ne pouvons pas oublier les parents, nos héros de tous les jours. Où sont les parents dans la salle? Je souhaite qu'on les applaudisse particulièrement. Les parents sont les meilleurs dans les matières les plus difficiles. Vous nourrir, vous habiller, vous loger, vous soigner et vous éduquer.
Ça, ce sont les équations complexes. Merci donc, chers parents, nous vous devons respect et gratitude. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, je ne présiderai pas cette cérémonie. Non, mais merci beaucoup. Mais je serai toujours là de tout cœur. Avec l'école sénégalaise, parce qu'elle forme nos enfants. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle forme nos enfants, le devenir de notre nation. Toutes et tous, continuons de soutenir notre école pour réaliser le Sénégal de nos rêves, le Sénégal des grands esprits lumineux et cultivé, et non pas le Sénégal des casseurs qui ternissent l'image de notre pays. Le Sénégal des esprits ouverts et tolérants qui dialoguent et se concertent. Qui ne détruisent pas, qui ne brûlent pas nos maisons, nos commerces, nos moyens de transport, nos lieux de culte, nos écoles, nos universités. Des esprits. Le Sénégal, disais-je, des esprits bienveillants qui pratiquent notre vivre ensemble, qui soignent et protègent nos valeurs de culture et de civilisation pour le bien des générations actuelles et des générations futures. Voilà le Sénégal que nous aimons et pour lequel nous devons continuer de travailler. Vive l'école, vive la République, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Le discours du chef de l'État, Son Excellence le Président de la République, Madame, Messieurs, pour les appuis financiers aux lauréats, chaque premier prix reçoit 600 000 francs, chaque deuxième prix 500 000 francs, chaque troisième prix 400 000 francs, chaque accessite 300 000 francs. Chaque lauréat reçoit également un ordinateur portable de marque MacBook pour les premiers prix. Chaque lauréat reçoit également une tablette et un lot de livres. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Lecture du palmarès. Deuxième accessite. Les distinctions seront remises aux récipiendaires par Madame le ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Madame Mariama Sarr. Classe de première, deuxième accessite. Allemand, Mme Fallou Gueye, institution Sainte-Jeanne d'Arc.
anglais, David César Chantre, Institution Notre-Dame. Arabe. Citoyenneté et droit de l'homme, Ndeye Diop, lycée scientifique d'excellence de Djourbel. Éducation physique et sportive, distinction non décernée. Espagnol, Omar Mbake Camara, lycée d'excellence privée MSCVR. Français, distinction non décernée. Géographie, Serigne Fallou Ley, lycée Seydina Limamoulaye. Histoire, distinction non décernée. Italien, Maria Macham, David Diop Mendes. Mathématiques, Ibrahim Akhar Samb, Britannique militaire, Charles Tchororé. Portugais, Rachel Boyemach Yeboa, lycée Tierno Seyd Nouroutal. Russe, distinction non décernée. Sciences de la vie et de la terre, Fadia Ntal, lycée d'excellence Mariam Aba. Sciences physiques, Aissatou Meïssa Ndiaye, collège Notre-Dame du Liban. Version grecque, non décernée. Madame le ministre pour la remise des distinctions. Pour la photo. Merci. Madame le ministre va rester pour les classes de terminale. Merci, récipiendaire, s'il vous plaît, vous pouvez. Classe de terminale. Deuxième accès site.
analyse de fabrication mécanique. Serigne Fallou Diong. Construction mécanique. Pape Makhtar Aïdara, lycée Seydina, Tierno Seydina, lycée Seydina Limamoulaye. Études islamiques, Serigne Saliou Diop, Al-Azhar, école privée Sokhna Maimouna Mbaké. Éducation physique et sportive, Maguette Ndiaye, lycée Seydina Limamoulaye. Français, Djeyla Li, Institut d'éducation Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis. Mathématiques, Omar Cissé, lycée scientifique d'excellence de Djourbel, mention bien au bac. Sciences de la vie et de la terre, Awa Kébé, Institut Marc Perrault, mention très bien au bac. Sciences économiques, Ndeye Penda Sarr, Institut d'éducation Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis, mention bien au bac. Sciences physiques, Léon Maurice Ndour, lycée scientifique d'excellence de Djourbel, mention bien au bac. Technique comptable, Koumba Fall, lycée Seydina Limamoulaye, mention très bien au bac. Merci. Merci, Madame le ministre. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. Merci. Nous passons maintenant au premier accès-site. Et ces distinctions seront remises au récipiendaire par M. Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale. Classe de première. Premier accès-site. Allemand, Ismaël Bakayoko. Britannique militaire, Charles Tchororé. Anglais, Mohamed Omar Sy, lycée d'excellence pour les sciences. Arabe, Afe Mbaké, Institut Al-Azhar de Ndam. Citoyenneté et droits de l'homme, Awadien, lycée d'excellence Mariama Ba. Éducation physique et sportive, Abdourahman Diouf, collège Saint-Esprit. Fatou Khaya, institution Notre-Dame. Géographie, Oumou Dramé, école scientifique internationale d'excellence pour les sciences. Histoire, Mama Cham, David Diop Mendes, Femme Nying, lycée Elhadji Ibrahima Diop de Yembel. Portugais, Ndeye Mariam Diouf, lycée Seydina Limamoulaye. Et de la terre, Mam Diara Diop, lycée scientifique d'excellence de Djourbel.
Merci. La photo avec Monsieur le ministre maintenant. Merci. Classe de terminale, première accessible. Construction mécanique, Ousmane Faye, lycée technique et professionnel, François-Xavier Nyon. Mention bien au bac. Électronique, électrotechnique, Serigne Fallou Tambedou, lycée Seydina Limamoulaye, mention bien au bac. Études islamiques, Aram Dien, Al-Azhar Serigne Dame Abdourahmane Lode Malika, mention très bien au bac. Éducation physique et sportive, Mohamed Bassirou Koulibaly, lycée de Tiaroy. Géographie, Alassane Sané, lycée scientifique d'excellence de Djourbel, mention très bien au bac. Géographie ex-aequo, Mohamedou Rasoulullahi Fall, prétendu militaire Charles Tchororé. Mention bien au bac. Histoire, Ibrahim Ndour, lycée scientifique d'excellence de Djourbel, mention bien au bac. Ex-aequo avec Mohamed Moustapha Ba, lycée scientifique d'excellence de Djourbel, mention bien au bac. Mathématiques, Ibrahima Diagne-Dien, lycée scientifique d'excellence de Djourbel, mention bien au bac. Sciences de la vie et de la terre, Ndoumbé Diakhoumpa, lycée moderne de Rufisque, mention bien au bac. Sciences économiques, Mam Ngone Ngom, école privée La Sagesse, mention assez bien au bac. Technique comptable, Fatih Khadi Gadj, lycée Seydina Limamoulaye. La photo maintenant avec Monsieur le ministre. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Nous passons maintenant au troisième prix. Les distinctions seront remises par Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadou Ba. Classe de première, troisième prix. Allemand, Sadio Lai Silla, lycée de Fayou, de Thiès. Anglais, Elhaji Bokar Ba,
Mikado. Arabe, Aliou Diakhaté, Al-Azhar, Serindam, Abdourahman Lo de Malika. Éducation physique et sportive, Mariama Diouf, lycée Seydina Lima Moulay. Espagnol, Lena Mariam Sall, institution Notre-Dame. Français, Yasmine Josepha Marie Mbaye, Waka. Le récipiendaire est absent et c'est son tuteur. Hein? Histoire, Henri Moustapha Ngom, lycée scientifique d'excellence de Djourbel. Italien, Amadou Moutarou Diallo, lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Mathématique, Ndeye Fatoumata Bintou Faye, lycée d'excellence Mariama Ba. Je rappelle que Ndeye Fatoumata Bintou a remporté le troisième prix de version grecque et le deuxième accessible de version latine. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Sciences de la vie et de la terre, Mamour Ngom, lycée scientifique d'excellence de Djourbel. Sciences physiques, Amadou Ba, lycée Seydina Lima Moulay. Version latine, Seydina Limamou Mahdioulaye Koulibaly, lycée Tcherno Seydou Nouroutal. Il a remporté en même temps le premier accessible de mathématiques. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci pour la photo maintenant, monsieur le Premier ministre. Merci. Merci. Monsieur le Premier ministre va rester. Troisième prix, classe de terminale. Construction mécanique, Abdou Aziz Sek, lycée Seydina Lima Moulay, mention assez bien au bac. Études islamiques, Barham Nian,
Al-Azhar, Serigne Ndam Abdourahmane Lo de Malika, mention bien au bac. Éducation physique et sportive, Aram Faye, lycée Demba Diop de Mbour. Français, Ramatoulaye Ngom, Institut d'éducation Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis, mention bien au bac. Géographie, Aïchatou Mamadou Kébé, lycée scientifique d'excellence de Djourbel. Histoire, Sokhna Ngone Diop Ndiaye, lycée scientifique d'excellence de Djourbel. Sciences de la vie et de la terre, Adia Fatou Diallo, maison d'éducation à Téna, mention très bien au bac. Sciences économiques, Oumou Mohamedou Daf, Institut d'éducation Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis, mention bien au bac. Technique comptable, Aminata Seuil, Collège moderne 3e millénaire, mention bien au bac. Merci pour la photo maintenant, avec Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous passons maintenant au deuxième prix. Les diplômes seront remis aux récipiendaires par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Amadou Mam Diop. Deuxième prix, classe de première allemand, Karel Sojunutu, britannique militaire Charles Tchoreré. Anglais, Safiatou Kone, lycée d'excellence Mariam Abba. Safiatou a remporté le troisième prix de citoyenneté et droits de l'homme. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Arabe, Modou Fall, école privée Mohamedou Fadel Mbake. C'est comment? Citoyenneté et droits de l'homme, Mohamed Ogo Diop, lycée scientifique d'excellence de Djourbel. Éducation physique et sportive, Marie-Pierre Khadijatou Koulibaly, groupe privé Étienne et Monique. Italien, Mam Diara Bey, lycée Malik Sall de Louga.
Yahya Diakhaté, Al-Azhar Serindam Abdourahmane Lo de Malika, mention bien au bac. Éducation physique et sportive, Fama Nian, lycée Seydina Limamoulaye. Français, Diao Sar, Kabi School, mention très bien au bac. Géographie, Elhaji Omar Anne, lycée scientifique d'excellence de Djourbel, mention assez bien au bac. Histoire, Cheikh Tchoub, lycée scientifique d'excellence de Djourbel, mention très bien au bac. Meilleur élève du Sénégal, troisième prix de mathématiques. Sciences de la vie et de la terre, Ndeykoura Amar, lycée franco-arabe, Cheikh Mohamed Fallilou Mbake, mention très bien au bac. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Sciences économiques, Diaynaba Binte Ndiaye, Immaculée Conception, mention assez bien au bac. Merci pour la photo. Voilà, voilà la photo maintenant. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Madame, Messieurs, nous passons maintenant au premier prix qui sera remis par le chef de l'État, Son Excellence le Président de la République. Classe de première, premier prix, Allemand, Astou Diagne, lycée d'excellence Mariam Abba. Anglais, Aminata Diey, école Marif, Dakar. Arabe, Imam Malik Lo, Institut islamique de Koki. Citoyenneté et droits de l'homme, Amadou Bachir Touré, Britannique militaire Charles Tchororé. Il a également le premier accessit en sciences physiques. Éducation physique et sportive, Magat Ndiaye, lycée Seydina Issa Ruhulay. Italien, Diana Ferradini, complexe Dakar Edu. Mathématiques, Cheikh Kébé, lycée de Tcharoï. Russe, Aïssatou Konaté, lycée John Fitzgerald Kennedy. Sciences de la vie et de la terre, Mam Fatou Mandian, lycée Tcherno Seydou Nouroutal. Sciences physiques,
Sadibou Sidiagne, lycée scientifique d'excellence de Djourbel. Version grecque, Ndeye Fatou Ndiaye, lycée d'excellence Mariamaba. Voilà, après Mame Fatou, on prend la photo. Mame Fatou, vous prenez votre distinction des mains du chef de l'État. Voilà. Voilà, merci, la photo. Merci. Classe de terminale, premier prix. Électronique, électrotechnique, Astou Sow, lycée Seydina Limamoulaye, mention assez bien au bac. Études islamiques. Abdourahmane Ba, Institut islamique de Dakar, mention assez bien au bac. Abdourahmane Ba, Institut islamique de Dakar, mention assez bien au bac. Éducation physique et sportive, Fallou Ley, lycée Seydina Limamoulaye, mention assez bien au bac. Sciences économiques, Cécile Madeleine Diouf, Immaculée Conception, mention bien au bac. Sciences de la vie et de la terre, Khadija Ndiaye Ndour, lycée scientifique d'excellence de Djourbel, mention bien au bac. Technique comptable, Ali Sek Mbow, groupe scolaire, Seydou Nourou Tall, mention bien au bac. Pour la photo maintenant. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'était là donc la lecture du palmarès, mais cette année, le ministère de l'Éducation nationale a trois invités qui ont eu des réussites qu'on peut qualifier de spéciales. Il s'agit de performances de personnes qui ont des handicaps extrêmement importants. L'un est un non-voyant qui a obtenu son bac avec la mention à l'INEFJA de Thiès. Matar Sow nous vient de l'INEFJA de Thiès, accompagné par son directeur des études, M. Abdourahmane Dia, normalement. L'autre nous vient du lycée de Djibidjon, dans l'IA de Ziguinchor. Il est sourd-muet et il a obtenu son bac. Samba Djemé. L'autre invité nous vient du lycée de Ndande,
Yacine Fall, qui a obtenu en série S2 une moyenne de 17,96. Qui a excellé également au BFM il y a quelques années, elle a confirmé. Donc nous les invitons, les trois, à venir saluer le chef de l'État, le président de la République. Yacine est accompagné de son proviseur, hein, je pense bien. Madame. Voilà, c'était là donc nos trois invités. Yacine vient de Ndande et je suis né à Ndande. Alors, Excellence, nous allons également prendre une autre photo avec le comité d'organisation. J'appelle le président du comité d'organisation, M. Papa Kandji, directeur de l'enseignement moyen secondaire général, Mme Brigitte Ndour, M. Seyni Ndiaye Fall du CIMEN, M. Mansamba Tian, de la division de la radio-télévision scolaire, et M. Elhadji Omar Sow, administrateur de l'imprimène, l'imprimerie du ministère de l'Éducation nationale. J'appelle également M. Joseph Biaye, coordonnateur, c'est le comité d'organisation, pour la photo avec le chef de l'État. Madame Camara, Monsieur le directeur de l'office du BAC, Monsieur Sossé Ndiaye, s'il est là. Monsieur Sossé Ndiaye, directeur de l'office du BAC. Madame Camara également du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Le comité d'organisation avec le Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Madame le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion.
détresse. On va parler. Parce que le public fini. Bravo. Voilà. Excellence, c'était là donc le dernier acte de cette prestigieuse cérémonie du concours général, 50e édition. Encore une fois, merci beaucoup. Excellence, la présidente de la République, merci encore une fois, merci à tout le monde. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cette cérémonie du concours général. Voilà, on a eu de vrais moments forts de communion entre le président Macky Sall et notamment les récipiendaires. Donc, rendez-vous est donné l'année prochaine. Le chef de l'État a fait un discours extrêmement à l'endroit des récipiendaires, mais également du public venu nombreux. Donc, je vais donner la parole à Adiara Moboy. Comme nous l'avons dit, le président a dit qu'il n'y a pas de problèmes. Surtout que les enfants ont donné à eux et qu'ils ont dit 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 jang fa lu bari way nañ mën nañ fa jaar jang fa lo xamanteni du powul ak yoonu jaar bu baax waaw xana ramañu tagoo rek jox wa Dakar comme journal bangi waji jot kon Anne Marie merci beaucoup Anne Marie Gomis merci donc d'être avec nous depuis ce matin. Je vous laisse donc avec vos invités pour voilà revenir sur tout ce qui s'est passé ce matin avec la remise de ce concours général des récipiendaires. Voilà la régie Dakar, c'est à vous. Anne-Marie Mabaïla, axe invité. Ce matin, du côté donc, du Grand Théâtre, pour nous accompagner à vivre en direct la cérémonie de remise de prix du concours général édition 2023, présidé tout à l'heure par le chef de l'État, le président Macky Sall. Alors, Omar Diaw, nous venons de vivre donc, en direct et en exclusivité donc, la traditionnelle cérémonie de remise de prix du concours général édition 2023. Oui, tout à fait. Donc, apparemment, la fête a été belle, on peut le dire, hein. C'est une fête de l'école sénégalaise et le président de la République est venu. Il a tenu à honorer de sa présence cette rencontre entre parents, d'élèves, élèves, enseignants et toute la communauté éducative. Donc le défi de l'organisation a été réussi. Je pense qu'il faut déjà maintenant, pour que ces lauréats-là pensent un peu à ce qui va suivre pour ceux qui étaient en terminale, ce sont les études supérieures. On leur souhaitera la même réussite qu'à la fin de leur étude secondaire. Maintenant, pour ceux qui sont en première, c'est de songer déjà à faire peut-être mieux que ces élèves de terminale qui ont reçu leur prix. Je crois que c'était un peu ça. Et ensuite, moi, je veux dire ce que je remarque, il y a une très bonne distribution à l'échelle du pays de ces prix-là et accessites. Je constate que les anciennes écoles qui trustaient un peu, qui étaient toujours devant, bon, il y a un peu une redistribution des cartes. Aujourd'hui, même si on a encore Maria Mamba, le lycée d'excellence de Djourbel, bon, quand on s'appelle excellence aussi, hein, on n'attend pas moins que ça de ces élèves-là, qui sont dans un cadre relativement privilégié. Ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, Brissané, Maria Mamba, Lima Moulay, et donc, ces écoles, bon, on ne voit plus ces anciennes écoles Blaise-Diagne, Kennedy, Lamine Gueye, Aix-Vanvaux. Donc, tout ça. Mais c'est, on va me dire que c'est dans l'ordre des choses. Il y a des changements qui se font. Et il y a de nouvelles écoles qui sont apparues dans la banlieue dakaroise, à l'intérieur du Sénégal. Et c'est très bien, la carte scolaire a aussi beaucoup changé. Donc, on n'est plus sur le schéma classique, je veux dire, ancien, la configuration ancienne où il y avait des lycées régionaux à l'époque qui accueillaient des élèves. Donc, c'est aussi ça. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, l'idée du chef de l'État, une école pour tous, n'est-ce pas, Monsieur Tchao? À l'issue donc de cette cérémonie, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, voilà, merci Anne-Marie. À l'issue de cette cérémonie, on peut retenir déjà que
Donc la fête a été belle. Ensuite. Bébé.